dans le prochain épisode de Imaginons une école pour tous, l'école primaire. Si j'organise une sortie avec mon groupe, il faut que tous mes élèves puissent y participer. Qu'ils soient en fauteuil roulant, qu'ils soient en marchette. On a une enseignante pour les malentendants, une enseignante pour la vision. On a une personne qui s'occupe de tout ce qui est la mobilité depuis l'année passée. On ne peut pas exclure des enfants qui font partie de la composition d'un groupe sur la base d'un handicap. Imaginons une école pour tous, mardi 20h sur Ami Télé.